Et coucou mes amis turfistes, j'espère que vous allez bien les amis. Donc je fais cette petite vidéo, pourquoi? Parce que je vais faire une petite vidéo concernant voilà mon petit abonnement, comme on est au début du mois. Voilà, donc s'il y en a encore qui sont intéressés à l'abonnement, voilà, je vais expliquer encore un petit peu, hein. On va faire encore de la pub, hein, c'est comme ça, chez Mika Turf. Alors cet abonnement déjà c'est 10 euros par mois, sans engagement, très important, donc c'est-à-dire si vous voulez essayer un mois après, le mois prochain, vous pouvez désactiver, que ce soit sur YouTube ou si c'est sur PayPal, ben, vous ne payez plus. Donc 10 euros par mois, c'est 30 centimes par jour, hein, à peu près. Hein. Voilà, pour ceux qui commencent à dire, ah oui, mais voilà, c'est 30 centimes. J'ai fait 10 euros parce que c'est pour que tout le monde, à peu près, peuvent le prendre, même à la zone africaine, qu'ils ont, voilà, je sais qu'ils ont pas trop de sous non plus, que c'est, voilà. Donc c'est pas 30 euros, 20 euros, 40, 50 par mois. Ce que je fais chez moi, c'est simple, hein, c'est vite fait. Je fais le tableau des étoiles pour le pronostic KNT. Et après, je donne deux chocos. Je donne toujours le choco du jour et le choco bonus. Voilà, c'est jamais pour se rattraper. Si les deux rentrent, tant mieux. S'il y a un des deux qui gagne, ben, c'est le bonus. Voilà. Et après, avec ces deux chocos, je fais toujours un petit report de sur 4. Voilà, avec quand je donne deux chocos, je fais sur la même course un petit report. 2 sur 4. Et donc j'invite à. J'ai dit toujours de jouer le 2 sur 4 ou le couplet placé ou quoi. Mais voilà, je fais toujours ça. Donc voilà. Je donne ça la veille pour le lendemain. Je donne ça pour ceux qui ont la boîte mail. La boîte mail. Et surtout, je poste tout ça sur la communauté. Donc pour la communauté, je vous invite, pour ceux qui n'y savent pas, si vous allez sur ma chaîne YouTube, page d'accueil, je vous mets ici. Regardez bien, il y a marqué la communauté. Appuyez dessus, hein, c'est gratuit. Et là, vous voyez tous les résultats de mes tableaux que je donne, bien sûr, après la course. Hein. Mais avant, les abonnés l'ont un jour avant. Et après, je poste après les chocos. Bah, tout ce que je poste, c'est sur tous les tableaux. Comme ça, regardez. Je vous invite à regarder. J'incite même quelqu'un, parce que j'ai pas le temps, s'il y a quelqu'un qui peut me le faire, à me prendre tout le mois d'août, tous les tableaux avec les résultats que j'ai donnés. Voilà. Parce que j'ai pas le temps, et faire presque une petite conclusion. Donc le tableau, les amis, pour ceux qui bah, m'ont posé beaucoup de questions, m'a dit oui, mais ton pronostic tableau, c'est pas le même que ton pronostic quand tu fais des vidéos gratuites. C'est normal. Sinon, à quoi ça sert que je fasse payer, c'est le même. Mon pronostic YouTube, qui est gratuit, c'est... Mon pronostic que je vois, que quand je fais le papier, hein, comme on fait tous, quand on fait le papier, des chevaux qu'on ressent. Et le pronostic tableau, c'est par rapport à des stats. Donc je me fie par rapport à les colonnes et je mets des étoiles. Et après, ça fait une sélection. Et je regarde pas en fait la cote du cheval ou quoi. Donc je fais par rapport vraiment à la sélection du tableau. Et c'est pour ça que des fois, ben, le tableau voit des chevaux que moi je vois pas. C'est comme ça, c'est par rapport à des stats. Et comme j'ai toujours dit, hein, et vous le saurez à mesure, c'est que il vous manquera de toute façon les 30% de stats. Voilà, des AKNT. Hein. 60% le papier, 30% les stats, 10% la chance. Ah oui, parce qu'il faut pas compter le facteur chance. Donc avec tout ça, si vous avez un jour tout ça, l'ordre peut tomber. Le papier vous fera 0, 100% de chance d'avoir le AKNT. Déjà pour avoir quitté des ordres avec papier, c'est chaud, alors l'ordre. Et j'ai toujours dit que tous les gagnants qu'on gagne cette année, hein, et même les autres années, vous regardez en bas, hein, de toute façon, je crois que de toute façon, il est déjà tout ça quand il est public, quand il y a un gagnant, un gros gagnant, 300 000, 350, 200 ou 150 000, qu'a eu l'ordre, regardez en dessous, ils disent en plus, hein, un gagnant a touché nana pour 2 euros. Donc pour moi, c'est les spots. Donc pour gagner un jour un quinté ordre, faites des spots. Voilà les amis. Comme ça, vous avez tout. Vous toucherez un gros gagnant parce que quand on fait le papier, c'est rare qu'on mette déjà un cheval à 30 ou 40 contre un en tête. Voilà. Alors que le spot, lui, il peut vous mettre un cheval en tête à 40 contre 1. Et si un jour vous avez l'ordre, c'est comme ça qu'il y a des gros gagnants. Et toujours ils disent en bas, pour la somme de 2 euros. Donc pour moi, hein, il n'y a que le spot pour vous donner ça. Donc voilà. Donc le tableau, c'est moi qui l'ai créé, donc ne cherchez pas ailleurs, c'est pas du copy, c'est pas personne qui a copié, c'est moi qui, ça fait 2-3 ans que j'essaie de l'améliorer, c'est plusieurs colonnes,
avec des stats. Je vous redis encore un petit peu. Voilà, le duo, le terrain, les artifices, sa descente de catégorie, pas mal de choses. Les repérer, ça c'est moi aussi que j'ai les repérer, l'âge, tout ça. Bon. Et après, ça fait une sélection. Et ça fait. Et après, il y a le conseil de jeu. Voilà, par rapport aux bases qu'il donne. Je prends toujours à peu près les trois premiers de la sélection du tableau. Et je fais des 2 sur 4, couplet gagnant placé et le multi. Multi en 7. Selon le conseil du tableau. Et je pense que pour moi, ça marche pas mal. On va faire un petit exemple. Surtout les trois derniers tableaux. Les amis, hein, voilà, pour ceux qui ne savent pas. De toute façon, ils sont dans la communauté, vous pouvez le voir. Les trois derniers tableaux, voilà, on va voir. Hein. J'ai pris de toute façon les trois derniers. Vous pouvez prendre même les 4, les 5, les 6 ou même les 10 derniers. Vous allez voir que quand même, les résultats, c'est les mêmes. Donc, j'ai pas pris ceux qui avaient du résultat. Hein. J'ai pris les trois derniers. Ben de, voilà, hein. Hier, avant-hier. Donc, on commence par le quintet, vous savez, en plat, je crois que c'était à Dieppe. Peut-être c'était vendredi, peut-être, ou jeudi, je sais plus, c'était à Dieppe. Voilà, donc le tableau qui donne le quintet des ordres en 7, je crois. Voilà, il part avec les bonnes bases déjà, hein, à 7, 10, et derrière, ainsi de suite. Donc, les conseils de jeu, on avait 3 fois le 2 sur 4, on avait le multi, on avait un couplet à 6, 10. Voilà, donc déjà. Il y a des gains, la dernière minute quasiment toujours dans les 5, quand le tableau il sort la dernière minute, c'est-à-dire la grosse base. Voilà. Et on peut voir que le tableau, hein, il a pas eu peur de mettre l'as en tête et déjà tout de bain, qui avait une belle petite cote, il fait une troisième. Voilà. Voilà, il n'a pas eu peur, je ne me rappelle plus combien il était à plus de 10 contre 1. Donc voilà. Après, ça c'était le quintet d'avant-hier, je crois. Voilà. Là aussi, hein, je crois que c'est dans le quartier, notamment ce 9 qui gagne. Voilà. 12-2, 7-9. Je crois qu'il nous manquait le 14 pour avoir le désordre, dommage. Mais voilà, carte jouée les quatrièmes. Il sort encore un 2 sur 4. 12-2. Il y avait le Mucci aussi en 7. Donc voilà. Hier, voilà, c'est le tableau qui met très haut ce 12. Déjà que moi je voyais ce 12 aussi, Iron Jet. Donc quand j'ai vu mon tableau mettre ce 12 aussi plus haut, j'étais très confiant. Hein, j'étais confiant pour ce choix qui fasse arriver. Mais bon, après course, c'est toujours facile. Donc voilà, hier, voilà, comme j'ai dit, dans les 4 premiers de la sélection, vous avez le quarté. Hein. C'est déjà pas mal. Hein, tiercé, quarté, la boule en 4 chevaux. Voilà, Irish Nest Egg. La dernière minute encore là. Vous avez vu toujours là presque. Et là, il y a tous les conseils de jeu qui passent. Les 3 fois 2 sur 4. Le multi 4 presque. Mais bon, je mets multi 7. Mais s'il y en a, il faut un 4, 5, 6, 7. Ils avaient. Et le beau couplet quand même 16 et 12 hein, le beau couplet placé il est beau hein. Voilà pour 1 euro allez voir donc voilà vous avez vu les trois derniers tableaux quasiment des gains je pense que c'est pas mal donc voilà les termes de choco pareil je vais pas tout vous montrer allez-y sur ma communauté de toute façon les chocos pareil il y a toujours une sur deux qui gagne alors les deux à la place vous inquiétez pas hein, mettons si on fait une synthèse sur 10 chocos il y en a peut-être 7 8 qui rentrent il y en a 2 3 qui passent à la trappe. Mais le pourcentage il est très bien donc de toute façon je vous laisse y aller sur la communauté tout est posté donc voilà les amis je fais une petite pub j'espère que vous avez compris en termes de tableau de toute façon pour toute question il y a mon mail en dessous de la description hein. De toute façon si vous voulez y aller hein, c'est micaturf@yahoo.com pour toute question pour les paiements je sais sur la zone Afrique c'est très difficile je vais essayer de faire quelque chose parce que j'ai beaucoup de demandes. Mais voilà, je n'arrive pas encore à faire des trucs peut-être sur Monogramme ou peut-être sur Western Union, mais c'est compliqué. Je vais voir pour me pencher dessus parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc voilà, les amis, en espérant qu'aujourd'hui ça marche encore. Des belles petites cotes, même à l'arrivée. De toute façon, hein, vous pouvez aller voir ce que j'ai mis en tête aussi de ma sélection. Hein, j'ai tenté des trucs. Et on va essayer d'aller chercher une troisième victoire d'affilée sur RMC 24. Voilà, je reste après-midi encore une fois. On va essayer d'aller chercher la troisième victoire. Voilà, les amis. Ben nous, comme ce qu'on peut dire, ben, tout à l'heure, je serai en direct avec Flambeau hein, sur sa chaîne, sur son live cet après-midi pour la belle réunion. N'hésitez pas à y aller. On sera ensemble. Voilà, les amis. Mais moi, comme d'habitude, je vous dis adieu.